Salut à tous. Je t'ai coupé. Elle a parlé, je t'ai coupé dans ton élan. J'allais parler. On se retrouve aujourd'hui, les amis. On est le 5, 3, 2, 1. Mince, attendez, on va tricher deux secondes. On est le 4 novembre, voilà. Et aujourd'hui, c'est le jour du Trail de la Peur. Donc, pour resituer un petit peu, c'est une course à thème, donc Halloween, de 6 km 66 à Jablit Annette. Et cette année, nous sommes 1100 inscrits. Voilà. Donc un peu plus que l'année dernière. Ouais, voilà. Comment ça se passe ? Il y a des vagues de départ tous les 10 à 15 minutes. Ils envoient, je crois, une centaine, 100, 150 coureurs comme ça. Le petit parcours l'année dernière, c'était un peu mieux pour moi, pour Sophie. Il y avait 12 km et là, ils ont raccourci le truc. Je pense que ça va être plus condensé et plus intense sur 6 km 66. On remercie l'orga, vous l'avez. On remercie l'orga. Ouais. Merci beaucoup. Et puis, on espère qu'on va se régaler, qu'on va vous régaler aussi. Et puis, on vous dit à tout de suite sur le départ. L'échauffement, oui, la mise en route. Moi, si j'avais su, je me serais échauffé. Un an qui vont séquestrer ici. Parce que je suis arrivé le dernier, l'année dernière. Et ils vont tirer. Attention, derrière toi. Attention, là-bas, derrière toi. C'est génial parce que tous les ans, il y a une petite mise en scène et tout, c'est extraordinaire. Allez, 5 4 Attends une minute. Vous m'êtes sympathique. Je vais vous donner un conseil, un seul. Oui. En partant, empruntez le terrain de foot. C'est plus sûr pour vous. Et après, bonne chance et bon courage. Okay. Et sur la droite. 5, 4, 3, 2, 1. Attention derrière toi. Bon. Allez, go. Et voilà les copains, nous sommes partis sur ce trail de la peur avec une. Thomas, tu te casses pas la tête. Avec une mise en scène. Oui, c'est vrai que j'étais tombé l'année dernière au bout de 200 mètres. Très drôle. Donc voilà, donc toujours très sympa cette petite mise en scène. Allez, on est parti les copains. Alors, un bon, derrière nous, il y a apparemment des attaques de clowns. Voilà les copains, attaque de zombies. Des bonbons. Jamais accepté des bonbons des zombies. Très sympa pour le moment, ils ont changé un peu les thèmes par rapport à l'année dernière. Ça m'a fait peur. Bon ben ça change du tout au tout par rapport à l'année dernière. Ah ouais ? Vraiment aucun rapport. J'ai l'impression que les univers sont un peu plus travaillés. Donc voilà, plus court mais plus intense. Excellent. Il a dit qu'il fallait crier, non ? On y va. Un gros plan. Donnez-moi votre main. Marcel. Oui, c'est moi. Marcel. Je suis Marcel.
les copains, comme l'année dernière, ce cimetière américain, ce cimetière militaire est vraiment stylé. Voilà. Non, impossible. Non, non, c'est par là. Oh putain! C'est énorme! C'est moi qui fais crier les gens! Allez, va mon os! Oh putain! Oh putain! Bon ben voilà! Crise cardiaque les copains! En même temps, l'année dernière ça manquait de jumpscare, c'est ça? Ouais! Les petites flèches phosphorescentes! Ouais! C'est une super idée! Oh là là! Chopez-la, elle! Chopez-la, elle! C'est moi la plus chiante, c'est ça? Non, c'est lui! Ah, c'est chouette ici! Excellent! C'est lui, t'as pas de phare! J'ai mangé une autre! Bouffez-la! Non, je suis pas bonne! Ah. Super. Oh putain. C'est vraiment rigolo. C'est top. C'est des forceurs, c'est bien ça. Ouais. C'est cool, ils ont ancré leur monde avec les choses déjà sur place en fait. C'est top, là c'était les corsaires. Voilà. C'est trop bien. C'était sur le petit port là du lac. Là. Ils s'en sont servis pour les pirates. Vraiment trop bien. Vraiment trop trop bien. On t'a vu venir de loin. C'est lui. Ah putain. Ah, je suis un peu une flippette, ah non j'ai vraiment eu peur ouais. Je suis un peu une flippette hein, je vous l'avoue mais là. Ah, ah, putain. Je m'en doutais en plus. Oh putain. Allô. Bouffez-la elle. Salut. Oh putain. Ah t'as voulu faire le malin hein. Oh putain bien joué. Jumpscare sur jumpscare pour ma gueule hein. T'es une tata, t'es une tata. Ah ouais, là je... Chaque mec qui me fait bouge, je sursaute. Hein. Mais en même temps, c'est génial, c'est ce que t'es venu chercher. Ouais, c'est vrai. Voilà, là. Voilà. C'est vrai que pour l'instant, j'ai sursauté trois fois plus que sur celui de l'année dernière. Arrête de comparer tout le temps. C'est vrai, je compare pas, on avance. Ah, oh, bah, vous faites pas, bouh, bah. D'accord. Ah ben, les copains, il y a un point ravito à mi-course, 3 km de moi. C'est rigolo, ça. Ouais. Bon, je vais juste prendre un verre d'eau, hein. Je peux pas manger ça. Pas mal m'habituer. Ça sert pas à grand chose. Les copains, c'est reparti. Oula, c'est bien crade là.
On tient à dire aussi que on a vraiment de chance parce qu'il y a eu la tempête depuis 2 jours, oui. Un peu partout en France, vous le savez. Et ce soir, pas une goutte de pluie et vraiment le terrain est sympa. Oui. C'est pas... Oh putain! Il faut pas de sang! Non! Je vous en prie! Il m'a dénigré, je vous en prie! Non, non! Zone de guerre, les copains, excellent! Je me suis fait avoir, Thomas! Non! Je me suis fait avoir! Dépêchez-vous! Sinon vous allez tomber aussi! Ah non, non, non! C'était pas assez rapide, il te faut faire des ponts. Je suis passé à deux doigts quand même. On va pas se mentir, meilleur tableau depuis le début celui-ci. Vraiment, en termes de mise en scène, de décor avec la voiture qui brûle et tout, les militaires vraiment. Propre. Encore bravo. Ouais, top. Puis les acteurs, vraiment, vraiment excellents. Ouais, les figurants géniaux. Ouais, ouais, vraiment bien joué. Waouh. Oh non, merci. Ils ont fait cramer un gros truc là. Stylé. Oh putain. Oh, elle est gros, mon idée. Oh, pardon. Là, c'est pas beau. Oh non. Bah, il est au bon endroit, hein. Bah, voilà, j'ai encore sursauté comme une merde. Non, bien, franchement. Franchement, bien joué, les gars. Je valide. C'est trop cool. Les copains, cette musique un peu à la Tim Burton, cette ambiance. Bien joué. Ok, donc il y en a qui surgissent là. Il y en a là. Attention Les copains, nous arrivons sur le dernier kilomètre de ce trail de la peur. On essaiera de vous faire, si on n'oublie pas comme la dernière vidéo, de vous faire un petit débrief à la fin. Mais pour l'instant, plus de points positifs que de points négatifs. Voilà, on aurait kiffé que ce soit un peu plus long. Vraiment, 6 km, toi-même tu sais. Mais bon, ça y a tout le monde, hein. Voilà, faut que ça parle au plus grand nombre. Et pour attirer le plus de monde possible, si ça reste familial. Hein. C'est pas le trail de la peur, mais ça fait pas peur. Ça reste familial, donc ça fait moins peur parce que ça se marche plus que ça se court pour la plupart des gens, donc ça fait moins peur de marcher 6 bornes que de marcher 12. Je le comprends oui, largement, mais bon, bref, je vais garder ça pour la fin. Et allez, je sais pas si je vais encore sursauter et crier comme une pucelle sur ce dernier kilomètre. Je vous laisserai me juger en commentaire. Marie. Oui, Marie, il est là-bas. Eugène. Il est là-bas. Il est, Eugène, il est là-bas. Ah, c'est stylé. Un petit pinceau. Un petit pinceau. Elle me suit, la dame. Ah. Game over. Oh. Thomas, je suis dans la merde. Stylé, vend du roller. Plus vite, plus vite. Super stylé, les copains.
crois qu'ils ont fait appel au club de derby de je ne sais où pour ces phases en roller. C'est très cool. Ouais. Ah, c'est fou son déguisement. Ouais. Voilà ce qu'on leur met dans les yeux. Ouais. La lampe, elle est... Wow, toi, ça fait des feintes et tout. Wow. Monsieur, je vous attendais, vous, moi, personnellement. Spécialement moi. Ah, madame aussi. Mais elle a l'air d'avoir moins peur. Non. C'est moi la flippette. Ça va, vous voulez jouer avec moi? Oui, oui, il a envie de jouer. En fait, on va jouer au jeu de cette famille. Je vais vous présenter mon père et mon frère, parce que j'ai que ces deux-là. Non, non, on les aime pas déjà. Faites attention, ils sont complètement marteaux. Ne vous retournez pas. Non. Vite, courez. Oh putain, tu fais un peu flipper toi. Fais un petit plan, ça va être sympa ça aussi. Oh putain. Oh putain, pas mieux. Il y a intérêt à courir, allez, cours. Oh putain, il y en a un autre là-bas. Voilà les copains, dernière ligne droite. Ça y est, c'est l'arrivée. Ah. Voilà les copains. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Presque 7 km au compteur. Tout s'est bien passé. C'était génial. Perfecto. Merci beaucoup. Vous n'avez perdu personne. Non, ça va. Voilà, ce sera mieux sans vous. Non, c'est pas grave, vous inquiétez pas, j'ai mis tout. C'est comme les créatures de tous qui sont venus à la tête, c'est ça. C'est pas grave. Bah non. Bon, on fait un petit débrief ici. Bah écoute, toi, tant qu'à faire, attends, déjà, je vais te mettre ta médaille. Allez. Et puis, et cette fois-ci, la médaille est estampillée 2023. Bon, les copains, ce petit trail de la peur, on a bien kiffé au final. Ouais. Voilà, c'était bien cool. C'était bon, sympa. 6 km, ça va. Bah, parce que 7. Tiens, j'ai pas éteint ma montre. Voilà. En fait, ça passe vite, quoi. Ouais. Ça passe super vite. Bon, plus petit parcours, mais plus condensé et vraiment mieux que l'année dernière. C'est ce qu'on s'attendait à ça, ouais, en s'inscrivant à ce type de course, voilà. Ouais. Et puis, Bah voilà, on laisse les gens découvrir l'année prochaine. Voilà, on a bien kiffé. Venez. Mettez vos chaussures de trail, parce que il y a pas mal de parties vraiment glissantes. Ouais. Les gens avaient des chaussures de ville et ça pataugeait à certains moments. Donc voilà. Mais bon. On a kiffé de A à Z et puis bon, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle aventure. C'est quoi la nouvelle aventure? C'est la Saint-Élion. Saint-Élion dans 3 semaines. Ouais, allez, bye bye. Ciao, ciao les copains. Libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube n'enlève pas. C'est libre de droit.